Good morning and welcome to day three of the MC2CM Days, a week-long event dedicated to urban migration governance in the Euro-Mediterranean region. This event is organized by the Mediterranean City-to-City Migration Project, which is funded by the European Union and the Swiss Development Agency. And it is implemented by ICMPD, UCLG and UN Habitat with the co-patronage of the Committee of the Regions. Today's session will be about private sector engagement and labor integration of migrants in Euro-Mediterranean cities. You can watch these on a number of platforms. You can watch these on our Facebook page, on our LinkedIn page, and you can choose your preferred language between English, French, and Arabic on a dedicated Clevercast platform. Throughout this session, we'll be collecting comments and questions, both from the audience here in Brussels and online. So you're very welcome to submit your questions via a dedicated form on Clevercast or in the comments section in Facebook or LinkedIn. We'll be very happy to collect them and present them directly to today's panel. Without further ado, I will ask the direction to launch the video that kicks off day three of the MC2CM Days. Thank you very much, and I hope you'll enjoy. Dans ce sens, il est essentiel de développer un partenariat public-privé qui regroupe non seulement les institutions qui sont chargées de la formation professionnelle et de l'emploi, mais aussi les associations de la société civile qui jouent un rôle très important en matière de mobilisation des migrants et d'orientation, et bien entendu le secteur privé. We must recognize that providing adequate housing is a shared responsibility, which depends on national and local governments, civil society, businesses, and local communities working together. Technology can be an enabler, a facilitator, and a great help in migration flows. There are many ways, and by the way, the business mechanism has been working to incentivize and to promulgate various technological solutions to migration issues and problems around the world. So there are many ways in which the private sector can bring its technological expertise and its products and services to those in the in civil society, to government, as well as to other businesses to help in the narrative. So I think that's a promising area. We support governments to make cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. While the crisis has put a spotlight on inequalities in access to services, it has also shed light on the importance of migrants for our urban economies and life as they work in essential sectors such as health, food, and services. Mesdames et messieurs, bonjour. Et tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui a préparé cette rencontre. Avant de commencer, je remercie avant tout les interprètes qui vont nous supporter. Je préfère parler en français pour la simple raison que si je parlais en anglais, as my niece in Britain told me all the time, Uncle Ali, your English is very broken. Et si je devais parler en langue arabe classique, il y a des synonymes qui ne sont pas les mêmes pour le monde arabe. Donc je préfère parler en français que tout le monde puisse comprendre ce que l'on va dire. Je me présente Ali Serhani, je suis dirigeant d'une entreprise qui est dans le recrutement et dans la chasse de tête, mais également, chose qui n'est pas dite dans ma biographie, c'est que je suis membre également du patronat marocain et je m'occupe au niveau de la commission sociale, des relations avec les partenaires sociaux, mais également du volet migration. Je suis monsieur représentant du patronat de la migration au niveau de tout ce qui touche les organisations internationales, donc c'est quelque chose dont je sais de quoi je parle. Avant de dire à notre cher ami José de se présenter, je voudrais tout simplement discuter du contexte de la discussion. Tout d'abord, nous avons pratiquement 1h20, j'essaierai d'organiser cela pour qu'on puisse donner le maximum de nous-mêmes.
j'en appellerai à tous les intervenants qui nous écoutent, ceux qui sont là ou à l'extérieur, de mettre la langue de bois à la poubelle. Pas de langue de bois, nous discutons simplement, comme disait notre cher ami Albert Einstein, si vous n'arrivez pas à expliquer un concept à un enfant de 8 ans, c'est que vous n'avez pas compris le concept. Donc, essayons d'être vraiment très très clair. Donc, grosso modo, pour présenter un petit peu le focus, je dirais que cette intégration réussie des migrants sur les marchés du travail est une grande chance pour les sociétés de la région euro-méditerranéenne. Bon, pas uniquement euro-méditerranéenne, je pense que tu seras d'accord avec moi à ce niveau-là. C'est pratiquement au niveau mondial. La migration est quelque chose de très très important. Sans langue de bois, c'est quelque chose qui peut... Il faut voir toujours le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Oubliant cette histoire de migration qui ne peut être que problème, cette migration qu'on relie toujours, toujours, toujours à l'économie, voyant les choses autrement. J'en discutais tout à l'heure avec les membres du ASPD qui sont là et que je remercie pour les échanges qu'on a eus. C'est effectivement, il faut qu'on voit un petit peu ce que peut apporter une diaspora, ce que peut apporter ceux qui sont chez nous et ceux qui sont à l'extérieur. Il faut toujours voir le retour sur investissement, mais avec une manière, je dirais, beaucoup plus, avant tout humaine, je dirais, beaucoup plus pragmatique et logique. Je continue. Les aptitudes, talents et compétences des migrants ne doivent pas être sous-estimées par les partenaires économiques et sociaux, les employeurs ou les entrepreneurs. Permettez-moi, et je vous dis bienvenue à tous ceux qui nous voient via Zoom ou via en distanciel, n'oubliez jamais une chose importante, par exemple, le secteur privé. Nous parlons du secteur privé. Le secteur privé n'a pas de nationalité. Quand il recrute une seule nationalité, skills, 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 les compétences. Après, vous pouvez faire de l'affirmative action, comme diraient nos amis américains, c'est-à-dire que si vous avez un local qui a les mêmes compétences qu'un réfugié ou un migrant, faire ce qu'on peut dire l'affirmative action, ça c'est autre chose. Mais n'oublions jamais cette chose qui est importante pour nous, c'est que le secteur privé, je crois qu'il a le beau rôle, il n'y a pas ce problème qui se pose au niveau de ce qu'est la nationalité de la personne, c'est surtout les compétences, parce qu'on ne recrute pas pour l'amour ou quelque chose comme cela, on recrute parce qu'il y a un intérêt pour les uns et les autres. De multiples défis sont en jeu lors de l'emploi des migrants, tels que l'adéquation des compétences aux besoins des employeurs, les cadres juridiques, les permis de travail et les préjugés inconscients pouvant interférer avec le recrutement. Il est vrai que s'il n'y a pas une véritable politique de migration, il n'y a rien du tout. C'est vrai qu'au niveau local, il doit y avoir un travail monstre. Mais au niveau du pouvoir central, également, le nécessaire devrait être fait pour relier toutes les énergies. Et c'est pour cette raison que cette décentralisation, si nous la voulons, nous la voudrions qu'elle soit très très bien faite. Et qu'au niveau des villes, par exemple, qui reçoivent beaucoup de migrants, beaucoup d'étrangers, beaucoup de réfugiés, par exemple, qu'elles puissent donner cet exemple, cette impulsion. Mais également cette idée, je dirais, de belle image du pays ou de la ville dans laquelle elle est. Je peux vous donner cet exemple, je viens d'un pays qui est le Maroc, qui il y a quelques années a régularisé pas moins de 60 000 réfugiés et migrants. Ça veut dire 60 000 familles, pratiquement sans nationalité. Je peux vous assurer, et je suis d'accord avec mon cher ami Lamine Bed, quand il me parlait de retour sur investissement, et il a parfaitement raison, pas parce qu'il préside, ou pas il préside, qui est membre du ICPD, ce retour sur investissement est extraordinaire parce que ces gens-là ont été de véritables ambassadeurs pour mon pays. Ce sont sans nationalité, et je peux vous promettre que c'est quelque chose de très très important. Je vais finir, ne vous en faites pas, je ne vais pas être trop long. Je voudrais tout simplement mettre le décor, pour cette raison, j'ai préféré rentrer dans certains détails. Bon, la réussite des entreprises et leur compétitivité dans l'économie mondiale exige des politiques de migration, d'inclusion et d'intégration claires qui permettent aux entreprises d'attirer et de conserver une main-d'œuvre qualifiée. Une intégration réussie du marché du travail ne peut fonctionner que grâce à un effort conjoint de toutes les parties prenantes concernées. Comme indiqué dans les recommandations politiques du MC2CM, les services publics de l'emploi, les agences de recrutement, les employeurs, les syndicats et les chambres de commerce doivent travailler ensemble pour créer des environnements de travail inclusifs. Et c'est là où c'est un travail collectif, un travail pour lequel le plus important est de trouver une issue. Pas un problème, je n'aime pas le terme problème, c'est parce que c'est déjà négatif. Or non, voyons les choses de manière positive, quelque chose qui puisse nous amener à quelque chose de bon pour nos pays, pour nos villes, et je dirais pour l'humanité entière, pour ne pas dire que je serai quelqu'un d'utopiste, mais quelqu'un qui essaie d'être pragmatique. Alors, premier intervenant, je m'en excuse, mon cher José, j'ai été un peu trop long. Et donc, je vais vous présenter
et après je vous donnerai la parole si ça ne vous dérange pas. José Antonio Moreno Díaz, membre du Comité économique et social européen, avocat, conseiller juridique sur les questions d'immigration, d'asile et d'intégration. Il est avocat depuis 1991, spécialisé en droit pénal et en droit international, notamment en matière de migration et d'asile et de droits de l'homme. Donc c'est quelque chose de quoi il parle. Il est également le conseiller juridique confédéral du plus grand syndicat espagnol, Comisiones Obreras, c'est comme ça que ça se dit ? Oui. Pour les questions relatives à la migration, à l'immigration. À ce titre, il est membre de la commission tripartite de travail sur l'immigration du ministère espagnol des migrations et de la sécurité sociale et membre du comité économique et social européen, CESE. Il est membre du groupe droits fondamentaux et état de droit et du groupe immigration et intégration du CESE. Il a été fondateur et ancien président de l'ONG espagnole antiraciste et antifasciste SOS Racismo España. Avant de prendre la parole, mon cher José, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en distanciel, n'oubliez pas vos questions. Elles sont très importantes pour nous. À la fin, on pourra y répondre. Tout le monde pourra y répondre, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ça nous intéresse. Et j'espère que ce qui nous reste de cette 1h20, 1h30 minutes, on pourrait faire un plus, donner un plus. Mr. Señor José, José, la parole est à vous. Bonjour, good morning, buenos días. Merci beaucoup, Monsieur Serhani. I want, first of all, to thank all the organizers, specifically to the migration Mediterranean Cities to Migration Cities Project for having counted on the voice of organized civil society. I want also to congratulate them for this conference and for the good moment and the opportunity also to raise a calm debate on migration. Allow me to introduce the European Economic and Social Committee, the ECC. We are the institutional body that articulates the voice of the civil society at European Union level. Our role is to inform about all the legislative proposals and all the legislative actions of the European Union institutional framework. And of course, we have an important background on migration issues. Time ago, for example, we founded the Immigration and Integration Specific Group that we are going to have our annual forum next month here in Brussels with the cooperation of the European Commission. And we have written a lot of opinions, specifically during last times, talking about the new migration keynotes from the European Commission, specifically the Pact on Migration and Asylum that was presented last year, 23rd of September 2020. And we are now seeing how to debate in a constructive way how to develop this pact or not, and the enclosed legislative annexes. One idea is that migration is a matter of debate, but especially the social integration of migrants should be a matter of debate, but not we have to try to obtain a constructive debate about migration, avoiding fake news and negative visions, the extreme right negative vision about migration. We are all of us convinced that the first step of social integration is access to employment. In this area, objective conditions such as labor market conditions, job offers, job applications, administrative procedures, legal framework, and other subjective conditions like professional profiles, working previous experience, and especially the recognition of qualifications obtained in the countries of origin of the migrants have to be taken into account. Therefore, many factors come into play. We cannot forget that the legal competencies of migration are national, state, but their impact is local, especially in regions and cities. As a trade unionist, and from the point of view of the involvement of private actors, I can refer three examples at different levels. One is at the European Union level, is the program of the European Trade Union Confederation
ATUC called Union Migrant Net. Union Migrant Net and cities together for an integration project of migrants at the local level. ETUC, the European Trade Union Confederation, represents more than 90 organizations, trade unions mainly, in 38 European countries, not only European Union countries. And we represent 44 million of workers, of whom, and this data is important, of whom 7% in the medium are migrants. Migrants and refugees can offer a lot to society. To enable them to achieve their full potential and contribute their communities, local and regional authorities must be involved in the integration process from the very beginning. We are obliged, I want to make a footnote, because we are obliged to change the narrative about migration. We are used to hear from migration in negative terms, always linking migration with problems, and it is not fair. Migration is a normal human factor, a normal human fact. In the history of human being, migration has been always on the ground. So this is one of the main challenges we have to try to solve. Inside the Union Migrant Net, exchanges between local authorities and Union Migrant Net members in the project in 5 European Union countries: Bulgaria, Sofia, Belgium, Liège, Italy, Trieste and Milan, Greece, Athens, and Slovenia, Ljubljana. All this will be undertaken to learn how they respectively provide assistance, information, and trainings to migrant population in these cities. The second example is the project Labour Int, is other initiative of trade unions and employers organizations for the integration of asylum seekers and refugees after 2015 humanitarian crisis at the Mediterranean Sea. And thirdly, I want to explain to you a local example. Of common management between public authorities and private actors, in this case, stakeholders. In Spain, since 2004, we developed social dialogue takes place in the field of labor migration. The tripartite labor commission, formed by the government, the Spanish government, Ministry of Migration and Ministry of Labor, trade unions, an employers' organization, is a permanent institutional body for consultation and dialogue on migration flows. Every 3 months, this commission approves the national Spanish catalog of occupations of difficult coverage that allows the orderly recruitment of foreign workers in their country of origin. So, social stakeholders develop common and constructive dialogue to allow a legal framework for labor integration. Thank you very much for your attention, and I remain at your disposal for any questions you may have. Thank you very much. Merci beaucoup, José. Thank you very much. You respect the time. For me, there. I have a question. You, excusez-moi, je vais parler en français, mais désolé, mesdames et mesdames les interprètes. Alors, vous avez dit une chose qui me paraît très importante. Vous avez dit, la migration devrait être un fait normal. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettons la langue de bois à la poubelle. Soyons pragmatiques. Comment peut-on rendre la migration normale dans des sociétés où il y a un rejet? Et quand je dis, parce qu'il faut que l'on soit que l'on soit franc, c'est bien beau de passer à la télé et dire, vous savez, nous, on est bien, on aime bien les gens, on respecte, tout le monde est kiff-kiff, comme on dit en marocain. Mais comment, dans des sociétés de parlement, y compris la société espagnole, comment rendre cette migration normale aux yeux du citoyen lambda, pas du syndicaliste, du patron ou quoi que ce soit, mais comment rendre cette
un fait normal, la migration qui est un fait normal. Comment pouvez-vous voir les choses de manière très très pragmatique? Thank you. This is a very interesting question. I have mentioned before, because one of the main challenges we are living nowadays from the social stakeholders is to try to change the narrative about migration. If you read the newspapers or here at the media, the news about migration are always linked with problems. With problems or illegal migration flows, problems linked with even national identities and so on. This is false. These are fake news. Because if you check the history of human beings, migration is a normal factor of human development. But I have to mention two ideas mainly. First of all is that we have to fight to make migration on voluntary basis, that the people can choose to stay at home in your country, in your society, with a decent and with dignity in the social and labor factors in your country of origin, or if you want to go abroad to look for better conditions, you can go. We are living nowadays that the migration is not voluntarily, because people is looking for just to survive in different countries, and this is not voluntary. So this is the first idea, to make migration voluntarily, to try to develop countries, origin countries, good factors to develop people in their own societies. Secondly, I have told before that we have to prove and to show the population, the normal population in the streets of in the cities and in the villages, that the migration is a normal factor of development of all kind of human societies from the very beginning of the human being. And we have to show the absolutely positive factors of migration in economical terms, in labor terms, and of course, in cultural terms. We are obliged to change the narrative to talk normally. I don't want to talk positively about migration. I prefer to talk normally about migration as a normal human factor of human development in all kinds of human societies. This is, for me, one of the main challenges we have to solve in the in modern societies. Mille merci, mon cher ami José. Thank you very much. Muchas gracias. Shukran jazilan, comme on dit en langue arabe. Et je passerai à ma seconde intervenante, qui n'est autre que Marta Mancini, qui nous voit, qui participera via distanciel. Encore une fois, merci, mon cher José. Et je voulais te dire une chose, c'est que nous, quand on parle du patronat du secteur privé, on dit qu'il n'y a pas de nationalité pour ce qui est de la compétence. J'avais un ami syndicaliste au Maroc qui me disait, et nous, quand je lui avais dit cela, il m'avait dit, et nous ne voyons pas un national ou un non-national, nous voyons un humain. Ben, j'espère qu'on pourra tous se mettre d'accord sur beaucoup de points, et je pense qu'on peut le faire. Donc, ma seconde intervenante est Marta Mancini du CELAV, Centre de médiation pour l'emploi, ville de Milan, que je salue de loin. J'aurais aimé vous voir ici parmi nous à Bruxelles. Donc, je vous présenterai rapidement et je vous donnerai la parole. Et puis après, à travers ce que vous direz, j'essaierai de trouver des questions qui puissent nous aider. Sans oublier une chose importante, il se peut que des questions que je pose directement à l'intervenante ou à l'intervenant puissent intéresser tout le monde. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait une réponse de la part d'Orzella, qui est à côté de moi et que je remercie beaucoup pour sa présence, ou M. Robert Blumer, que chacun puisse intervenir, dire son point de vue, ou bien mon cher ami Sergo Manachivili, qui est à Addis Abeba. Donc, voilà. Marta Mancini, la vérité, quand j'ai lu votre nom, j'ai pensé à un footballeur, Mancini. Je crois que c'est la famille Mancini. Ça m'a tué de rire. J'ai dit, j'espère que... me tuer au rire au niveau très positif du terme. Bon, je n'ai jamais aimé le football, pour ne rien vous cacher. Mais à la maison, on nous a cassé les oreilles avec la squadra Azzurra. Bon, je vais y aller. Mancini, attention, ce n'est pas le joueur, c'est Marta. Mancini travaille au sein du Centre de médiation pour l'emploi. Service de la municipalité, qui est le service de la municipalité de la ville de Milan, Milano.
qui a pour objectif de faciliter l'insertion et la permanence dans le monde du travail des citoyens sans emploi, avec une attention particulière aux groupes vulnérables et à tous ceux qui vivent dans des conditions de désavantage social. Avant de te donner la parole, ma chère Martha, souvent je dis aux gens, quand vous entendez des mots comme « groupe vulnérable », faites très attention. Il y a un proverbe en arabe qui dit « yomun lak wa yomun alek ». Il y a des jours qui sont pour toi, il y a des jours qui sont contre toi. N'oubliez jamais ces groupes vulnérables, ça peut être demain votre petit-fils, ou votre arrière-petit-fils, ou qui que ce soit. Donc tout en étant pragmatique, de voir les choses toujours de manière, je dirais, humaniste bien sûr, mais ne jamais oublier de faire travailler sa tête. Et quand vous faites travailler votre tête, bien sûr les sentiments on n'en parle même pas, vous travaillez votre tête, c'est pour l'avenir, pour les générations à venir, pour toutes les nationalités, pour toutes les différences qui nous forment, nous, l'humanité. Ma chère Martha, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Sarani, pour votre splendide introduction. En fait, j'ai le même nom du Monsieur Mancini du football, mais j'ai rien à voir avec lui. Malheureusement. Okay, I'm switching to English now. Good morning, everybody. As Mr. Sahani just told you, I work for CELAV, which is the Center for Labor Inclusion of the City of Milan. So it's an office of the municipality. And if you can show the slide, please. The second slide shows you where CELAV is located within the city administration. For us, it's very important to underline that we are part of the social policies department. So our approach to work inclusion really focuses on the positive side of every individual. So we do not adopt a subsidy approach, but we try to work on the personal growth of every person we take in charge. As you can see from the picture, our unit for social and labor inclusion strictly works with another unit in charge of migration policies. Next slide, please. Okay, thank you. So our mission is to implement active labor programs for vulnerable people, as Mr. Sarani just said. We will see later on which specific target groups we have, but let's have an overview on the key data. These key data, please note, refer to an average per year, and they refer to a pre-COVID period, because of course, COVID strongly impacted on our activity, and the data we have of the last 2 years are a little bit different from these ones. But we hope we will go back to these data very soon. We have an help desk within CELAV doing interviews to citizens who spontaneously come to us, and then we organize a group or individual vocational session for them and orienting. So we guide them to understand which are the their potentialities and how they can develop them. So we reach more than 2,000 people per year through these interviews. And then we organize 300, we organize vocational guidance sessions for 300 people. Then we develop individual projects for more than 1,100 people.
The main tool we use to help them to introduce in the job market, are internship. The internship is a tool very effective to help people to start their work career. And the city of Milan pays all the work grants for these interns. So the budget that the city administration dedicates for work grants is 1 million to 100,000 euro per year. And what we do is to find the companies on one side that host the people from Celav in internship, and on one side we select the vulnerable individuals that can do the internship in these companies. So we build the bridges between the companies and the people. And please note an important datum for us. It's 30% of the people who accomplish an internship at the end get a job contract. So this is a very important datum for us. Okay, please next slide. Okay, here you can see how Celav is structured. So you can see that we have a job scouting group, so a group specially dedicated for finding job opportunities for people. The help desk, of which I told just before, so organizing the vocational guidance groups and sessions. And then we have six target groups for which we work. So vulnerable adults and homeless, people with disabilities, people with psychiatric problems and addictions, detainees, and then asylum seekers and refugees, and finally minors and young adults, also unaccompanied foreign minors. This is our internal structure, and we closely work with social services and public institutions outside the city, and companies and third sector who host our internees. Okay, interns, sorry. Next slide, please. Okay, here I will focus on our job scouting group because I think that for this session this is a very important theme. So we, as I told you before, Celav tries to reach to employers in need of personnel and try to convince them to host people followed by Celav in internships. The main sectors in which we find these collaborations are food services, cleaning, facilities, logistics, manufacturing, gardening, agriculture, but also simple back office. Till now, we have nearly 700 companies who partner with us, of which 31% are small enterprises, 34% are medium enterprises, 12% are big companies, 15% are social enterprises and not-for-profit NGOs, and 8% are public institutions. What we do with them is to develop a personalized project for the intern. So it's very important that every company or every social cooperative dedicates a special tutor for the intern, so to help this person to develop his or her own capacities and skills.
skills, but also the tutor has to give feedbacks to CELAV to let us understand the progress of this person or the needs, the special needs of this person. Through this constant relationship, we build a customer loyalty, and we establish our partnerships based on a shared social values. Of course, we try to solve any potential problem that can arise between the intern and the company. And so we mediate between companies and the private sector and the vulnerable people. We also select the workplaces for the interns, and we match them with the candidates. And last but not least, we make consulting. So we support employers on legislative and bureaucratic matters, for example, for the procedures for hiring foreign citizens. And next slide. Here you have some data, again referring to pre-COVID period, regarding the refugees hosted in our city. We have 350 places under the national protection system, and out of this, more or less 200 come at CELAV, and to these 200 people we offer vocational guidance and internships, and 30% of those who accomplished the internship at the end get a job contract. I just wanted to underline some of the main challenges posed by the context. We face an increasing number of vulnerable individuals among refugees, and a very low level of education and knowledge of Italian language with basic professional skills. So as you can imagine, it's very difficult to help these people to find way in the job market in Milan. Last slide, please. Okay, this focus on unaccompanied foreign minors and young migrant adults. I just wanted to say that the model we implement is a little bit different from the one we use for adults. So we try to design comprehensive projects by strongly collaborating with training institutions on one side and private companies on the other. So we, in a few words, we ask companies which are their needs. And then on the base of these needs, we build vocational training with training institutions. So the minor or the young migrant goes through a training program first, and then starts the internship in the private company. And at the end, the occupation rate, the hiring rate is 40%. So it's a higher rate, than the rate that we have for adults. Because thanks to this system that I explained of education, of training and internships agreed since the beginning with the companies. Martha? I'm finished. Ah, merci beaucoup. J'ai pas voulu être dictateur dès le départ en fixant chacun d'entre vous un timing, parce que parfois ça fausse tout, parce que la personne est tellement pressée qu'elle oublie peut-être de dire des choses et que peut-être, et ça c'est très dangereux, elle ne parle pas avec son cœur. Et il n'y a pas pire que cela. Bon, écoutez, rapidement, je vous remercie. Quand vous avez parlé de ces stagiaires-là, ça me fait rappeler une multinationale qui a une filiale au Maroc, qui recrutait beaucoup de stagiaires étrangers. Et elle me disait, c'est notre manière à nous de faire ce que l'on appelle la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, the corporate social responsibilities. Et j'ai trouvé que c'était fantastique parce que je me rappelle moi-même, il y a 35 ans, une entreprise multinationale française m'avait offert un superbe stage à Paris pendant 2 mois.
je crois que j'ai été son meilleur ambassadeur. Je n'ai jamais oublié. En plus de cela, on me payait. Et c'était très sympathique parce qu'il y avait beaucoup de nationalités. J'avais beaucoup appris. Et j'avais beaucoup appris, bien sûr, à la maison, mais également à travers eux, ce qu'est la tolérance. Quand on voit beaucoup de gens qui sont différents, qui sont très différents de nous. Bon, alors nous avons trois autres intervenants. Nous allons nous partager 21 minutes. Alors je vais vous donner chacun 7 minutes maximum. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir le temps. Vous savez, il y a un super proverbe chinois qui disait « Il faut faire rapidement ce qui ne presse pas pour faire lentement ce qui presse ». Donc je crois que c'est M. Robert Plumer qui va intervenir. Je vais le présenter, mais je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai dit Marta Mancini, le football. Robert Plumer, pour moi, c'est comme un acteur et Sergo, c'est comme un chanteur. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Et Rotsella, c'est comme le rossignol, l'oiseau. Donc, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. OK, monsieur Robert Plumer, je suis sincèrement désolé pour tout le monde parce que, à force d'écouter, parfois, on a cette impression de pouvoir s'ennuyer, quelque chose comme ça. Mais bon, il faut bien qu'on apprenne de chacun d'entre nous. Je vous présente rapidement monsieur Robert Plumer, que vous êtes de Business Europe. Vous êtes conseiller principal chargé des questions relatives à la migration et à la mobilité, à l'éducation et aux compétences, au dialogue social et à l'autorité européenne du travail. Avant de rejoindre Business Europe, vous avez travaillé comme conseiller politique pour le parti Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Plumer est titulaire d'un doctorat en relations industrielles et en gestion des ressources humaines, axé sur une étude comparative de la demande de travailleurs migrants de l'Union européenne en Suède et au Royaume-Uni. Avant de commencer, Monsieur Plumer, Martha, mille pardons, je voulais te poser une question, mais je la poserai à la fin, parce que je tenais à vous remercier pour votre travail avec notre amie Pia, je ne sais pas pourquoi j'ai Pia Francis, pour moi c'est Pia Zadora, l'actrice et la chanteuse, mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, pour vos questions qu'on a partagées, mais elles sont très très bien parce qu'on peut les partager tous ensemble, parce que je pense que ce sont des questions généralistes. Désolé si je vois de ce côté-là, parce que j'ai devant moi mon écran. Monsieur Robert Plumer, you have la parole. Please, 5-7 minutes maximum, and thank you very much. Thank you very much. Good morning, and thank you very much for the kind introduction. And despite being in Brussels, I'm sorry I don't join you in person today. I'm recovering a little bit from a cold at the moment, so I thought under the circumstances it was better to do this remotely. But in terms of the input I want to give, indeed, I want to reflect a little bit on how we see things from the side of employers, and we represent companies of all sizes, large and small across Europe, in terms of how we see EU migration policy, the role of economic migration, and also indeed the aspects around integration of migrants, I think also refugees, looking a bit more broadly as well. So for us, the starting point is always tending to be one of how to best use and to utilize migration policy to address the skills needs that companies have. I think in particular, this takes on particular importance in view of our changing demographic composition, the aging workforce, but also the fast evolution that we see in skills needs, whether that is digital skills or indeed those responding to the greening of our economies. So we tend to see that there are needs for third country migrants across all skill levels. At the same time, we do identify a particular need for those with a more highly skilled background. I think where we are at the moment, clearly COVID provides a new dynamic to how we view the role of migration within our societies. On the one hand, there is the need to integrate into our labor markets those country nationals or from member states that are maybe lost their jobs during the peak of the COVID period and that need to be reintegrated into the labor market. Equally, there are those that are in longer term unemployment that also need to be reactivated in the way to be supported to come back into work.
And if we look in particular at migration and those workers that have maybe come here through reasons of family reunification, we also see a particular need to integrate those people into our labour markets. We need to try and better utilise in a way the workers that that are here, and to see how best to do that. And that also extends, of course, to those that have come as refugees in recent times. And we know this has affected some countries more than others. But what we have seen, and I think there's numerous examples of engagement of the private sector in that process, in Denmark, in Sweden, in Norway, of course, in Germany, in Italy, we've seen numerous examples of cooperation between social partners, but also between social partners and governments to integrate refugees into our labour markets. Of course, a key starting point for that is to try and have a better understanding of the skills, the qualifications that these people have, and to see what is a good starting point for them to come into and to contribute to our labour markets, not only for the benefit of companies, of course, but also to the individuals themselves who are looking to establish themselves in their new countries and to flourish and further develop here in Europe. And we do have at European level, I just want to touch upon briefly, a partnership, an integration partnership that is a collaboration of the European social partners, the European Chambers of Commerce and the European Commission, the units responsible for migration and asylum and employment. This is something that we established in 2017. So we're coming up to 4 years of this partnership now. And what we really aim to do is to identify good practices from one member state to another to promote what is happening in various member states at European level, but also further at the national and the regional level to try to stimulate further actions that can be taken towards integration. Our colleague from the European Economic and Social Committee referred to the Union Migrant Net from the side of ETUC. There was also a project that was led by ETUC, if I can say, if it's okay to mention, but also in which Business Europe was a partner, which was the Labour Int project. This had several rounds of project. There was Labour Int and Labour Int 2. And this really looked at trying to promote and initiate pilot actions in a number of countries at the regional level, at the local level, to look at this issue of refugee integration, of course, in particular from our perspective, the interest was in relation to labour market integration. So I think there's coming hopefully now towards the end of COVID, one aspect is the integration of those workers that we have already in Europe, both country nationals as well as different categories of migrant workers. And we also need to look at how to address the sort of more structural issues around labour shortages and skills mismatches that we were seeing before COVID as well. And there, one aspect is to help to see how to better improve education training systems within EU member states. The second part of that is also to see what role EU migration policy can play. And from our point of view, we can really start to see already shortages of labour in a number of key sectors, whether it's hotels, restaurants, catering, or transport, or agriculture. So we need to look again at the role that migration can play in this regard. In that respect, it's promising that the Blue Card Directive has now been revised successfully after a number of years. This could help to bring in highly skilled or highly qualified third country nationals into the EU. But I agree with what was said by a previous speaker that we also need to have more cooperation, more understanding, I think, with third countries, especially
key sending countries to the EU in terms of the qualifications and how we understand and interpret the qualifications that third country nationals have when they come to the EU, and to look at how we can utilize the systems that we have for transparency and understanding of qualifications at the EU level, how we can use those to better understand and make use of the qualifications of third country nationals. I think looking further afield, and this would be my last point, there are discussions at European level about developing a sort of talent pool approach, which would try to advance the matching of third country nationals with job opportunities in the EU. Rather early stages with this thinking and this initiative, but it's something that we think could also have some good added value going forward, both of course for companies, but also for individuals in terms of them being able to come into a position in a European country that EU member state that matches their skills, their competences, their qualifications, which enables them to integrate and to flourish in their host society. So I think there's a number of different aspects, of course, to EU migration policy, both as concerns integration, as concerns economic migration. But of course, from our point of view, the two aspects are very clearly linked. So I think those would be my initial opening comments, and thank you very much. Merci beaucoup, cher Robert Plumer. Vous avez bien fait de parler de l'intervenante précédente, qui n'est autre que notre cher Mancini. Je lui repose une question. Martha, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Et je vous poserai une question, Robert. J'ai une question pour vous. Mais puisque vous avez parlé de Martha, je crois que... Martha, do you see me? OK, thank you very much. Il y a une question qui m'a échappé et que je vous pose, mais une minute. Et puis après, je passe rapidement à M. Robert Plumer. Pardon, Rotzella. Et pardon, mon cher Sergo. Hein, désolé. Hein. Alors, vous avez parlé des partenariats. Vous avez beaucoup parlé du CELAV. Vous avez fait des PowerPoint, etc., etc. C'est très, très bien cela. Mais quels sont les principes? En une minute, je dis bien. Si vous pouvez 30 secondes, ça serait meilleur. Quelles sont les principales forces du partenariat du CELAV avec le secteur privé? Parce qu'on parle du secteur privé. Lorsqu'il travaille avec les migrants et plus particulièrement les réfugiés. Mm-hmm. Merci. 30 secondes. Mm. OK, I'm trying. OK, because we assure the social tutorship. So we guarantee to the company that we follow up that individual since the beginning, during the internship, and then after it. So we give feedback to this person, we correct him or her if necessary, and we mediate between the company and the person. So if any problem arises, we help the company to solve it, and so the company does not have the problem and has to solve it on its own. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci, c'était très rapide. Bon, Robert, dans votre biographie, il est dit conseiller principal chargé des questions relatives. Attention, focalisez-vous sur conseiller. Hein. Questions relatives à la migration et à la mobilité, à l'éducation et aux compétences et au dialogue social et à l'autorité européenne de travail. Dites-moi, comment vous faites quand vous donnez des conseils qui déplaisent vos interfaces? Comment vous faites? Parce que parfois, quand on est un bon conseiller, généralement, on ne donne pas les conseils que voudraient écouter les autres. Et parfois, ça déplaît aux autres. Comment vous faites et comment prend-on ces conseils que vous donnez? Sachant bien sûr que vos conseils sont des conseils qui laissent de côté les sentiments, parce qu'il faudrait que l'on se mette d'accord. C'est bien de mêler sentiments et raison, mais bon, la raison parfois l'emporte sur le tout, les sentiments sont là, parce que c'est ce qui fait notre humanité, mais la raison permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer quelque chose pour les générations à venir. Comment vous faites et comment sont reçus vos conseils, surtout ceux qui déplaisent? Merci beaucoup. 30 secondes, une minute et thank you very much. Thank you. That's an interesting question. Well, of course, as for ourselves, we're a membership-based organization, so we try
to accurately and sincerely reflect the views of our member federations and the companies that we represent. So I think we try to gather the different perspectives and when we give advice to our colleagues internally or to our member federations, or when we're trying to develop positioning, of course, it's done in a way of fact-based. And I think, as you said, especially in the area of migration, it's important to look at the facts. I think, as you said as well, that you need to look beyond that to a more human element. And of course, I think, especially in this particular field, we try to bring that in, but as well. But in general, I would say, outside of migration topics, if you're giving advice and it's not followed well, I mean, you hope, of course, you give good advice, but you also have to develop a bit of a thick skin, maybe, as we would say, so that you don't take it too personally. You hope the advice you give is taken up and it's well informed. So I think hopefully and usually we're on safe ground, but of course there's some instances where maybe it's not always the case. Merci beaucoup, Robert. Bon, c'est bon, il n'y a pas de langue de bois, c'est très très bien. Il nous reste deux intervenants, nous avons 11 minutes. Je suis sincèrement désolé, Mathieu Rotzella. Je suis désolé, mon cher Sergo, donc on voudra faire vite. Bon, quand je dis faire vite, l'essentiel doit être dit. Tout simplement parce qu'on aura au moins 20 minutes pour pouvoir discuter avec l'assistance. J'ai également quelques questions, qu'on puisse également échanger et qu'on sorte avec quelque chose, comme avec tout ce qui a été dit tout de suite. J'ai à côté de moi Rotzella Nicoletti de Eurocities. Thank you very much. Merci beaucoup d'être parmi nous. D'ailleurs, chez nous, dans le patronat, nous avons une dame qui s'occupe de tout ce qui est culture, qui vous ressemble comme une goutte d'eau. Je ne sais pas ce qui m'arrive, qui s'appelle Naïla Tazi. Peut-être je vous enverrai sa photo, peut-être c'est votre sœur du Maroc, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Bon, alors, je vais vous présenter, j'ai quatre lignes, ça ne vous dérange pas cinq minutes. Vous avez cinq minutes devant vous, je vous présente rapidos pour que tout le monde puisse connaître qui est à côté de moi. Et merci encore une fois d'être présente parmi nous, ici à Bruxelles. Rotzella Nicoletti est coordinatrice de projet et de politique dans les domaines des affaires sociales. Elle est responsable de la coordination générale du travail d'Eurocities dans le domaine des affaires sociales avec un accent sur l'emploi et les politiques sociales. Précédemment, elle a coordonné le réseau européen des migrations en coopération avec la Direction générale des affaires intérieures et des migrations de la Commission européenne. Donc elle sait de quoi elle parle. En deux mots, vous allez présenter ce qu'il en est, sans oublier de nous présenter en une ligne Eurocities. Et encore une fois, mille merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Ali, pour l'invitation. I'm going to switch to English as well, because as your English, my French is broken. My French is very bad. I take this opportunity to maybe take focus, the attention back to cities and local authorities. We had a very interesting presentation from Marta, and the city of Milan is one of many very active members of Eurocities. And in particular, Eurocities, as you rightly said, is a network of major cities, and we support our members in various domains and policy areas. One of the most important, of course, being social affairs, social policies. And our members, our cities, are part of a social affairs forum. And within the forum, we exchange knowledge, ideas, information, and we do provide a forum, indeed, for mutual learning and peer review. Within the social forum, the work is organized within different working groups. And one of the main, most active, is definitely the working group on migration and integration. I'm really happy to be here today to again bring the perspective of local authorities, of cities,
again, in the wider debate of migration management and governance of migration. And indeed, I was listening to with much interest to the previous interventions, and I also been thinking on when you asked how to make migration normal. Maybe normal is a complicated word with different meaning, but I would say cities have definitely one of the better position to work on making migration just a simple fact of human life and human development related to mobility. Because I think cities have understood the potential and the value of simply attracting talent. I'm really looking forward to a future where we speak about, in general, about people and human, like you said. At the moment, of course, there are differences, and we talk about nationalities, but I think cities are more interested in talent, attracting talent. And the good thing of cities is that a city wants you to be proud of it, of being part of a community. Doesn't matter where are you from. I think Brussels is could be, and many other cities in Europe are now one of those examples in the EU and in the world. So definitely there's a need for the cities to attract talent, and also a willingness, because we cities recognize the social value of having active citizens, and they participate to the life of the city, of their own city, and they contribute to the also the economic development, not the prosperity of their urban areas. That's why within Eurocities, and this is where also I have learned of the very interesting example of Celav in Milan, and during the events we organize within. Within Eurocities, and also through an important partnership that we have with the European Commission, in particular with DG Home, with DG Migration and Home Affairs, that is called Integrating Cities. And the work of Eurocities and our cities, our members, around migration is actually under this framework and this partnership. And there are so many good practices. I'm not going to mention all of them because indeed, we need to move forward and discuss also with the audience if there are any questions. But the main point that I would like to raise is that many cities, Milan, Amsterdam, Tampere, Solna, Grenoble, only to mention a few, they have started a cooperation with employers, with the private sector, with businesses. And they have realized that, of course, there's a lot to do. I'm not going to deny the challenges because companies, especially in the private sectors, sometimes they want to hire diverse workforce, but there are a lot of red tape. There are a very heavy bureaucratic requirements that come to employers, and I think cities here have a very privileged place to say, okay, let's do it something pragmatical. What can we do to support the needs of employers? And this is where we have a lot of examples. Perhaps I will mention them later. Thank you. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Vous avez parlé de talent. Tout à l'heure, on a parlé, quand on parlait avec Lamine, du CPD, on a parlé de retour sur investissement. On a parlé de diaspora. C'est bien parce que c'est en aparté, quand vous discutez avec des gens, des idées fusent. Et le retour sur investissement est très important. Je vous donne un exemple qui est le nôtre au Maroc. Vous ne pouvez pas savoir la fierté de tout Marocain lorsque M. Donald Trump avait présenté l'équipe qui devait chercher le vaccin contre la Covid. Le chercheur qui présidait toute cette équipe n'était autre que le docteur Monsef Slaoui. Monsieur Monsef Slaoui est un Marocain, belge et américain. Il a fait pratiquement toutes ses études au Maroc, et puis après il est parti en Belgique, et puis après aux États-Unis.
Il parlait en tant qu'Américain, parce qu'il était Américain, c'est tout. Mais je peux vous assurer que ce retour sur investissement, je dirais même psychologique, au niveau du Maroc, a été une grande fierté pour mon pays. Et c'est là où les gens se disaient, les talents, pourquoi vous avez étudié les talents? Parce que nous parlons beaucoup de drain brain, fuite de cerveau. Il faut bannir ces mots de votre... Il n'y a pas de fuite de cerveau. Un cerveau, vous ne le retiendrez jamais plus, jamais. Qu'il soit au Maroc, en Europe, au Japon, en Australie, où vous voulez, cette personne a quelque chose, l'État a joué son rôle. C'est vrai que c'est des investissements que font les États. J'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens qui viennent me dire « Mais non, parce que l'État investit beaucoup d'argent pour les jeunes, etc. » Mais non, vous investissez sur quelqu'un. Cet investissement est important pour le pays, pour lui-même, pour le pays, etc. Mais il y a toujours un retour sur investissement. Cette personne finira par revenir un jour et apporter avec elle. C'est pour ça qu'on parle de talent. Talent, c'est important. I have two questions for you in English. Hallelujah. Excuse my English. What is the added values of mobilities and skills migration for local companies? Are there any good practice? One question. What are the main challenges to successful collaboration between business and policymakers in the field of migration and employment? Avant de répondre, je tenais à dire, par respect pour l'assistance, c'est que ces questions-là, en discutant tout à l'heure avec ma chère Rotsella, j'ai deviné ce que on pouvait comprendre de tout le travail qui était fait. Et donc, je ne sais pas si j'ai bien cerné ce qu'il fallait cerner. La parole est à vous. Mon cher Sargo, 2 minutes. Merci, merci Ali. I'm going to be very good because, I think there's definitely added value. I mean, we cannot deny existing trends, demographic trends in Europe, and shortages in the workforce. But I think the pandemic has shown how essential the contribution of third country nationals, migrants, refugees was during the pandemic, especially in key sectors. We have mentioned them before. Robert also mentioned them: agriculture, transport, healthcare, and of course, food distribution. So cities don't really look at where people are from, but of course they are faced with a regulation. There is a national regulation that is not decided by cities. Many cities would love to make the relevant national requirements to work and stay in a country maybe a little less burdensome, but it's not in their power. And I think that's why the added value replies to a lot of needs at local basis, in addition to a real challenge, a necessity, or something that exists. There is the need of course, as we said, integrating, but more, I would say, work on the social inclusion and cohesion of society in urban settings. That's why, in terms of good practices, as I mentioned, cities, for example, I'm thinking of Tampere Strategic Program for International Talent Attraction and Labor Market Integration. I'm thinking Amsterdam, the KX Training. I'm thinking also of Grenoble Refugee Inclusion and Employment Integrating Program, Rising. These are only a few examples. There are many more. And of course, we have also had CELAV in Milan. The key point is cooperation. The key point is cooperation with the private sector. And I think it's also it kind of answer a need coming from employers, having a bit of more certainty. And what is the other need coming from employers? Sometimes there are not, it's difficult to find the needed skills and competencies that you mentioned before. So what does a city cities have been creating and
actually investing a lot of money, financial resources and human resources on a competency center, on providing training, because I find it interesting. We had an event and a representative, I don't remember from which city, but our participant to an event mentioned sometimes it's easier to get new skills instead of waiting for a skills to be recognized by official European mechanism. So cities have developed these centers, like the Tampere program for international talent. Because I think we need to also push this idea that we all as citizens of a city need to be proud of being part of a city, no matter where we come from. The challenges I'm gonna briefly mention, indeed, as I said, recognition of skills, validation of skills, and support in finding the right talent, and support in also facing the red tape related to the status, the permits. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit ce que veulent les employeurs. Pour moi, un bon employeur, c'est ce qu'il veut. S'il ne sait pas ce qu'il veut, autant qu'il fasse autre chose. Ça, c'est mon point de vue. Mais je retiens, comme je le disais tout à l'heure, le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Vous avez utilisé deux mots qui sont fantastiques, inclusion sociale et cohésion de la société. Cohésion de la société, ça, c'est très important. Dernier intervenant, mon cher Sergo, mille pardons, c'est un plaisir de te voir. On a échangé par email. Toi, tu es en Éthiopie, moi, je suis au Maroc, et vraiment, c'est un grand plaisir de te voir en face. Et pardon à l'assistance si nous avons été un peu longs. Mais c'était passionnant, honnêtement. Moi, je savoure. Je ne sais pas pourquoi on nous a donné 1h30, 1h35, mais bon, je dirais 1h25 pour ne pas fâcher Marco à ce niveau-là. Mon cher Sergo, je te présente rapidement. Si ça ne te dérange pas, tu as 5 minutes. Tu ne dépasses pas, s'il te plaît, pour nous permettre de discuter. J'ai bien besoin de discuter avec tout le monde, ou les gens, l'assistance a bien besoin de discuter, d'accord? Je te présente rapidement mon cher Mananashvili, Sergo Mananashvili. Tu es représentant de l'ICMPD auprès de l'Union africaine. C'est pour cette raison que tu es à Addis Abeba, en Éthiopie. Et conseiller principal, un autre conseiller, sur l'engagement du secteur privé. Avant de rejoindre ICMPD, Mananashvili, Monsieur Sergo Mananashvili, a été coordonnateur de recherche et de projet au Centre de politique migratoire de l'Institut universitaire européen, centre qui mène des recherches avancées sur la gouvernance transnationale de la migration internationale, de l'asile et de la mobilité. Monsieur Sergo, vous avez la parole. 5 minutes, please. Thank you very much. Oui, bon, je vais essayer, mais je vais pas chanter comme vous avez suggéré au début. Bon, un grand merci et ravi de revoir et bravo vraiment pour cette excellente modération. Je suis content que j'intervienne après Robert qui a déjà évoqué quelques éléments que j'aimerais renforcer et qui prouvent que notre diagnostic que nous faisons à ICMPD est correct. Alors, permettez-moi de commencer par deux constats qui peuvent faire avancer notre réflexion sur des modèles de coopération et partenariat avec le secteur privé. Le premier, c'est que les pays en général et les villes en particulier des deux côtés de la Méditerranée sont tous confrontés aux besoins impératifs de réorienter la majorité de leur secteur économique vers des modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement et répondant aux besoins de la transition numérique. Ils ont donc besoin de compétences vertes et numériques, dites les compétences futures, dans beaucoup de métiers et d'industries. Pour répondre à ce constat, il y a un besoin urgent de développer des compétences adéquates pour faire face aux exigences de connaissances en évolution rapide et aux modèles commerciaux entraînés par la numérisation, les innovations technologiques, etc. Le deuxième constat, c'est que dans l'Europe entière, comme Robert a évoqué, la compétitivité des entreprises continue d'être structurellement remise en cause par le vieillissement des populations ainsi que par les pénuries de compétences et de main-d'œuvre dans divers secteurs et professions. En particulier, les PME
qui sont la colonne vertébrale de l'économie de l'Union européenne ont vu leur potentiel de création d'emplois ou d'entrée sur de nouveaux marchés touchés de manière disproportionnée par la pandémie. En s'appuyant sur ces deux constats, nous pouvons y voir déjà une base solide pour la coopération et pour le partenariat dans un intérêt mutuel. Les partenariats destinés à attirer les talents lancés récemment par l'Union européenne peuvent contribuer à faciliter une telle coopération, mais les modalités, j'y insiste, de leur mise en œuvre sont très importantes. Comme annoncé dans le nouveau pacte sur la migration et l'asile, ces partenariats fourniront un cadre politique global et un soutien financier à la coopération avec les pays prioritaires afin de mieux répondre aux besoins en matière de main-d'œuvre et de compétences. Il est envisagé que ces instruments de partenariat feront partie d'une approche globale, et ça c'est très intéressant, conforme au partenariat mondial sur les qualifications, en vertu desquels les pays de destination et d'origine coopèrent avec le secteur privé pour développer les compétences nécessaires dans les deux pays par le biais de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de mobilité et de migration circulaire. À l'instar de l'approche de triple bénéfice, ce modèle de coopération peut impliquer des programmes de développement des compétences à double voie, dans lesquels un pays de destination forme et recrute ses talents auprès du pays partenaire d'origine, tout en permettant à ce dernier de répondre à ses besoins locaux en compétences grâce à la formation professionnelle étendue aux populations non migrantes. Dans la situation actuelle, on constate qu'il y a un consensus sur l'importance cruciale de la participation du secteur privé lors de la conception et de la mise en œuvre de tels partenariats. En effet, le succès ou l'échec, et c'est ce que notre recherche à l'ICMPD dit de ces partenariats, vont majoritairement dépendre de l'implication du secteur privé. Alors, où nous en sommes aujourd'hui avec l'engagement du secteur privé sur ces dossiers? On constate que même si les consultations avec les fédérations d'entreprises basées dans l'Union européenne comme Business Europe, etc. sont en cours, jusqu'à présent, il n'existe pas de mécanisme d'engagement sur les 10 partenariats impliquant les PME européennes déjà présentes dans les pays prioritaires ou souhaitant investir ou étendre leurs activités dans ces pays. Or, ces mêmes entreprises peuvent jouer un rôle critique pour dégager tout le potentiel de tels partenariats. Puisque, premièrement, ces entreprises ont l'intérêt à contribuer à la création des compétences dont ils ont besoin pour assurer leur propre prospérité à long terme. Deuxièmement, ils peuvent faciliter les solutions pertinentes de formation continue en soutenant la formation à double voie, c'est-à-dire à la fois dans le pays partenaire et dans l'Union européenne, en particulier lorsqu'ils ont un siège social basé dans l'Union européenne. Troisièmement, ils sont les mieux placés pour évaluer les pénuries de compétences dans leur pays d'accueil à travers leur réseau. Ainsi, elles peuvent être incitées à soutenir le développement de tissus socio-économiques dans lesquels elles opèrent. Et enfin, et ça c'est aussi très intéressant et où on aimerait pousser la réflexion, les investissements directs étrangers, IDE, des entreprises européennes, y compris les investissements greenfield à la recherche d'opportunités de nouveaux marchés dans les pays et les secteurs cibles, pourraient voir une grande valeur dans les partenariats qui forment les talents locaux nécessaires, car l'IDE est rarement réalisée dans les économies qui manquent de main-d'œuvre qualifiée, en conjonction bien évidemment avec l'environnement favorable. Donc, dans ce contexte, il serait nécessaire de mettre en place les plateformes sectorielles de dialogue opérationnel, j'insiste sur ce mot, avec le secteur privé européen concerné, déjà présente ou souhaitant investir dans les pays prioritaires, afin d'identifier les demandes de l'industrie en main-d'œuvre qualifiée et pour encourager le partenariat du secteur privé dans le développement des compétences dans les secteurs dont j'ai parlé au début. À cet égard, il faut aussi sensibiliser le secteur privé à un éventail de modèles de partenariat prometteurs, faciliter leur partenariat avec les pays d'origine et leur fournir un appui technique pour développer ces programmes de formation et de mobilité. Enfin,
Il ne faut pas oublier les PME du pays d'origine, car elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la réinsertion professionnelle des migrants formés dans des contextes de mobilité circulaire, étant donné que leur intérêt commercial à embaucher une main-d'œuvre qualifiée qui peut les aider à augmenter leur productivité et leur compétitivité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, mon cher Sergo. Je vois que mon ami Marco Ricorda va m'étrangler. Mais il y a une chose importante que tu as dit. Je vais prendre 15 secondes, mon cher Marco. Tu as dit une chose très importante. Répondre aux besoins locaux, échange de talents. Je le dis souvent, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je parle généralement à tout le monde. Un talent, vous pouvez le retenir. Il peut être patriote, il peut aimer son pays. Mais un talent également est retenu par ce que vous lui offrez. Au niveau de la rémunération, au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses. Donc c'est un rôle primordial pour les cités, pour les États, et mieux que cela, pour des sous-régions de notre planète. Mon cher Marco, mille pardons, la parole est à toi. Thank you, Ali, and thank you everybody who is here in Brussels today at Blue Point and those who are watching us online. Thank you for your very energetic moderation. I can say it's something that the audience has certainly appreciated. And it's exactly one of the main topics of this project, to bring together also actors that don't usually communicate. So today we brought together the private sector with the institutions and the cities. And we discussed exactly how we can make urban migration better. And since we are in a hybrid setting, I'm quite pleased to announce that we have a special guest that was watching this online and decided to please us with an intervention. Namely, I'm talking about Mohamed Wajdi Aidi, who is the deputy mayor of the city of Sfax. Yesterday we had the mayor of the city of Sfax, and he's joining us directly from Zoom. You will be able to watch him directly on your screen. Monsieur le maire adjoint, est-ce que vous m'entendez? I think that the deputy mayor is going to speak in Arabic, so the people that are here, please use your headphones, and if you want to watch this in your preferred language, you can go on our dedicated Clevercast platform. Mr. Deputy Mayor, the floor is yours. Yes? شكرا سيدي. شكرا لجميع المشاركين, لجميع المتداخلين. في الحقيقة Please, you can continue. شكرا لكم, شكرا لجميع المشاركين أمس واليوم والغد بصفة مسبقة. في الحقيقة, هل تسمعونني؟ Yes, we hear you well. شكرا. في الحقيقة كنت قدمت سؤالي كتابة, لكن المنظمين أصروا على أن أشارك بصفة مباشرة معكم, وهذا شرف لي أنا. كان السيد رئيس البلدية, رئيس بلدية صفاق, السيد منير لومي, قدموا مداخلة أمس أعطى فيها ربما نبدأ عن تجربتنا. نعم. Okay. Thank you again for addressing this. I will ask maybe the direction to send me the question in writing, which I will pose to all the participants. In the meantime, we have received another comment that we like. أنا سأطرح سؤالي. ربما هناك فارق في الصوت يصل ربما بعد لحظات. أريد أن أطرح مسألة. هو في الحقيقة نحن في مدننا في الضفة الجنوبية المتوسط نواجه مسألة الهجرة واللجوء في إطار تحديات كبيرة, باعتبار يعني صلاحيات الشبه منعدمة لنا والإمكانيات المحدودة. وأتساءل, هناك متداخلين كثر على المستوى الدولي في مسألة الهجرة,
هناك مشاريع عديدة لكن ما نلاحظه في السنوات التي بشرناها في البلدية في هذا الموضوع أنه يعني الدعم والمساندة من كل هذه الأطراف تبقى محدودة ومحدودة جدا خاصة بالنسبة لنا بالمقارنة مع ربما تجارب أخرى في أمريكا اللاتينية أو حتى في آسيا. أعتقد أنه مدن الضفة الجنوبية المتوسط بحاجة لمساعدة وتأطير أكثر لتكون قادرة ولو حتى نسبيا في هذه الظروف الصعبة مع كوفيد لأكثر فاعلية ولأكثر ربما تأطير للمهاجرين واللاجئين. يعني هل هناك من سبل لدعم أكثر لمدننا ومساعدة البلديات خاصة أتكلم عن تونس وعن مدينة صفاقس مع التحديات التي نواجهها وطنيا ومحليا وشكرا لكم. That was a very important intervention, so a call for further support, further resources and additional frameworks to facilitate the cooperation between cities across the entire Euro-Mediterranean region, with a focus, as the Deputy Mayor said, on the South Mediterranean, another issue that was raised yesterday by the Mayor himself. And what I appreciated, the need for additional frameworks, so more cooperation, to make sure that these resources are used properly. We still have a few minutes to conclude, and what I'd like to do is to flag a comment that has been raised online, which is related to the challenge of undocumented migrants in cities when it comes to getting them opportunities offered by the private sector. So I would like to ask this to our two city representatives. So on one side, Eurocities, Rossella Nicoletti, on the other side, Marta Mancini. In a few minutes, what would be the most appropriate tools to address the issue of undocumented migrants and their integration into the labor market, also using the help, the support, the know-how of the private sector? Rossella, I will start with you. Thank you for the question. And indeed, it's becoming more important topic and issue in our cities. That's why I just want to mention that there's an ongoing project, CMICE, who has actually been just renewed, that works on the topic and is supporting many of our cities, including Milan, Zurich, and others in the EU, on facing basically a very pragmatic need of indeed sometimes faced with a situation where undocumented migrants would like, could have even the skills to contribute to the economy of an urban reality. And of course, they cannot. And cities, I always mention, and I always like to underline that it's a very pragmatic approach. It's not ideological. The cities just look at what they would need to face anyways. Those migrants who have no proper documentation, so undocumented migrants, they still live in cities, and cities still have to provide services, and they are faced with the issue. So they have been advancing a lot on how to tackle the current situation of undocumented migrants. For example, just to make a very quick pragmatic example, Zurich and other cities are thinking of creating a city card. It doesn't matter what your status is, if you have a legal status or permit, if you have the card, you can access certain services, including training and professional development. So this is one of the examples I could think of. That is a fantastic initiative, and we'll be happy to tell more about this initiative. We'll share it on our social networks. Thank you, Rossella, for your intervention. I will conclude our session today. I would like to hear more from Marta Mancini. I addressed this issue of undocumented migrants and their integration into the labor market. What is the experience of the city of Milan in these regards?
Actually, for CELAV, it's not possible to work with undocumented people. So what Rossella just explained is a very interesting initiative, and the city of Milan is working also on this, but it looks on the social services that we can offer to these people, like helping them to access social services or health services or housing. But from a labor work perspective, as you can imagine, it's very difficult for us as CELAV to convince enterprises. We cannot do it, actually, to hire these people, because till they do not have official documentation testifying their legal status, is not possible to us for pushing companies to do this. So for us, it's a very big problem and limit. We depend on this from the national ministry for labor, and we cannot solve this problem on our own. Thank you, Marta Mancini, for raising this very important issue and your experience. And of course, that's an invitation to perform more research, more work into this very specific field. That, of course, it's very important also within the all urban governance spectrum. I see that our great moderator of today's session, Ali Serhani, wanted to have another 30 seconds to perhaps conclude today's session. Ali, please go ahead. 30 seconds. Oui, très bonne question à propos des migrants sans papier. Je vous ai dit au départ que nous, le secteur privé, nous avons le beau rôle parce que nous recrutons une compétence. Vous savez, un migrant sans papier, s'il a des compétences, ses papiers, on les fait le plus rapidement possible. Ce n'est pas un problème. S'il a, as you said, talent, s'il a un talent, s'il a quelque chose, ses papiers, il les a automatiquement. Et je vous parle d'un cas qui est le mien, qui est de mon pays, le Maroc. Nous avons une procédure qui est peut-être l'une des plus flexibles, je dirais, du pourtour méditerranéen pour l'embauche des étrangers. Je vous invite à venir le voir. Je ne suis pas chauvin ni nationaliste. Je ne vous parle pas avec mon cœur, je vois les faits. Parce que je suis l'interface du Bureau international du travail, je travaille avec le ministère du travail, le ministère de la migration, etc. Je trouve que c'est fantastique. Alors pourquoi je vous parle de cela? Et merci pour cette question de migrants sans papier. Il y a quelques années, je crois il y a 5 ans, nous avons régularisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 000 personnes. Qui sont devenus réguliers, qui ont un numéro et qui peuvent travailler à l'instar de Marocains sans aucune autorisation. Je peux vous le promettre en toute sincérité, les bénéfices ont été 10 000 fois meilleurs que les craintes. Et aujourd'hui, ce sont des... Vous savez, on peut mentir, on peut dire du n'importe quoi, mais vous pouvez vous renseigner sur place. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a également le cas par cas. Il y a également le cas par cas, ma chère Marta, ma chère Rotsella et tous ceux qui ont intervenu. Il y a le cas par cas qu'il faut voir. Mais également ne pas oublier une chose importante, que vraiment c'est vers un objectif bien déterminé que tout le monde doit, je dirais, assouvir. Et je m'arrête là. Thank you, Ali. And thank you everyone that joined us today. Marta Mancini from the City of Milan, Robert Plummer from Business Europe, Rossetta Nicoletti with us in Brussels from Eurocities, and Sergo Mananishvili from ICMPD directly from Addis Abeba, and of course, the deputy mayor of the city of Sfax that decided to join in. And you can join in tomorrow as well. We'll be back at 11 a.m. for another session, this time about promoting balanced migration narratives in Euro-Mediterranean cities. A big issue today, how to communicate migration. We'll have some great interventions from all over the Euro-Mediterranean cities. We may have also an important guest. I'll tell you more tomorrow. Stay tuned on our social networks, hashtag MC2CM Days. Keep the comments and engagement going, and I'll see you back tomorrow at 11, both here in Brussels at Blue Point and online on all our platforms. Thank you very much.